Ça a toujours été des problèmes d'endormissement. Une fois que j'étais endormie, j'avais pas de soucis. Mais je me considère comme une insomniaque ayant des difficultés à m'endormir et du coup à retarder de plus en plus le moment du coucher par crainte de ne pas m'endormir et à trouver à la longue de vraies difficultés de sommeil et des problèmes dans ma vie quotidienne. J'ai surtout en réveil l'impression d'être plus en forme. Pas comme si j'avais pris je ne sais pas quoi, un dopant ou pas comme si j'étais pas surexcitée, mais je me sentais plus en forme, j'ai presque envie de dire plus sereine du coup, enfin plus tranquille quoi. Effectivement, ça m'a aidé de 2 heures. Quand je dis 2 heures, je tombais d'épuisement. Là, par exemple, j'ai pas mis le bandeau hier et je me suis endormie à 6 heures du matin, couchée à minuit. Donc, non, ça m'aide entre 30 et 40 minutes d'endormissement avec le bandeau. Ça m'est arrivé 2-3 fois de remettre un programme. Mais finalement, ça a toujours fonctionné. J'ai toujours fini par m'endormir. Contrairement à une nuit comme la nuit passée où je ne dormais pas du tout. Ah oui, j'adore. Bah oui, parce qu'en fait, quand on a des problèmes de sommeil, on est vraiment très préoccupé. C'est quelque chose qui envahit votre vie sur des périodes récurrentes d'insomnie, de difficultés d'endormissement. Donc c'est comme un programme de santé finalement, c'est comme un programme de sport, vous avez envie de voir où vous en êtes, vous avez envie de voir si vous avez fait des progrès, vous avez envie, comme un médecin quand il prend votre tension, qu'il vous dise si elle est bonne, si elle est meilleure que la semaine précédente. Oui, je regardais tous les matins.